EJOM, l'emploi des jeunes crée des opportunités ici au Mali, est un projet ambitieux qui vise à contribuer au développement des opportunités économiques et à la stabilité sociale à travers l'insertion des jeunes. Sa mise en œuvre est assurée par un consortium de quatre agences que sont l'APEJ, ICO Corporation, WAST et la SNV qui assure le lead sur une durée de 4 ans. Le rôle du lead dans un tel consortium, c'est d'assurer la cohérence de l'intervention de l'ensemble des partenaires, mais aussi bien sûr d'insuffler une dynamique positive dans la collaboration avec entre partenaires, mais aussi bien sûr nous assurer que nous avons une très bonne relation avec les bailleurs de fonds. Financé à 95% par l'Union européenne, EJOM intervient dans quatre zones du Mali, Kaye, Koulikoro, Gao et le district de Bamako, à travers quatre domaines, l'horticulture, la gestion de déchets, l'agroalimentaire et l'artisanat utilitaire. Avant que le projet Ogaka, je me fangalise que tu en tégi hangandinde kabu, jardin wodera, tuku en négaza, igi hangandi. Ano kam projet neino jinewe, aigi jinewe hunde kikate na fakinte na kate ne fangale berendi, aini tibérien, aini du tio, aini du moteur, aini du carapin, aini kurka nga hangandi doui, aini fangale berendi, irko mufondo goi hande hakasongo. San hangando hunde a chez nos problèmes kun hangando go chara bande wal kur kega bay hangandin de 2005 ne ne dan ayga hangande la kalu bonga formation o mo to barikalla bore kan ne forme jirbo ya hako jirbo kinugo jirbo jinara vraiment wanandi ha kaga hunde ayga di de bore me ra bayka ate bore bande jirbo gu hinkantora ina jirbo gu formation tri sheki koy ndir hala jerngaydo hakoy goyote. J'ai fait marketing à l'UJUE, j'ai aussi le diplôme du droit, mais après les études, j'ai eu toujours à me focaliser sur l'entrepreneuriat féminin, donc la transformation des produits agricoles. Donc j'ai fait même les ONG internationaux, mais c'est à travers la formation de EJOM qui a beaucoup développé vraiment mon esprit et ma compétence. Je suis maintenant la potentialité que j'ai. Je peux me valoriser, développer mes activités. Je suis dans cette histoire, cette activité, la gestion des déchets depuis 1993. Donc quand j'ai tout rencontré EJOM, et ça c'était quoi? C'est en tant que PME. Hein, PME pour pouvoir former au moins des jeunes qui veulent créer de l'emploi. J'ai eu la chance réellement alors, d'avoir ces jeunes-là pour leur faire la pratique. On leur apprend comment il faut travailler. En tant que GIE, surtout dans le domaine de la pré-collecte, comment il faut travailler. Ils viennent, on s'assoit d'abord, on leur fait part des supports des échanges qui sont là, tout ce qui est là avec lesquels on travaille. Ils bougent sur le terrain avec l'équipe. Donc déjà, ils sont formés, ils sont outillés pour tout de suite commencer à être entrepreneurs. Il y en a déjà qui ont eu du boulot à travers ça, permanent. Et vous voyez ce que ça fait. Donc vraiment, EJOM, c'est une grande opportunité. Comme on le dit, emploi jeune crée ici des opportunités au Mali. Je pense que c'est pire que ça. Anye formation folo ni flana onke tiyer la usarama uye waru kumfolo dama anye barake nwe. Anye pompu ni gurumetu ni siu chaman sala. Anye barake la utanube ka barake. Anye nafa chaman surala siza. Memumba anje sawe gira ziko ni panoko uye kwa. Ambise nanyu lusoro bise kande me ambe kisi baka ukinka toro chaman mako. A travers proje izo mbe alatanu yere yere. Ambe wile de sa kanga na kudumu ni sigira. Nye kubuka nyasisa. Fo mfana boka ke chef yi meyorom na bi mo woro de bi mbulu entreprise kon na la mo mun barake mo ga mo mun commandé bo akadine dona nan taw la entreprise ga bonya ka temeni bela jelenga pour que mfana se ga jeune woro employé chugumna am mo nan ye ni formation ke ka ke je ku lue kana bare ndamna e jom tabulu la nen ni sonjara kusube kadaka uye nye do yele kasi nganyana maya tabulu makwa ansela ka nga wari économiser même utiliser ani même dumu ani même mara nyodo asela ka ndeme ka nga école continue. Et voilà comment EJOM a changé la vie des centaines de jeunes après seulement 2 années d'intervention. Ce projet qui a vu le jour précisément le 9 juin 2017 qui a presque aujourd'hui 24 mois a formé dès 2018 600 jeunes. Ils ont été sélectionnés et formés. Cette année 2019, 750 sont en train d'être formés. 5 fermes ont été créées dans la région, dont une dans la commune Sonia-Liber. Donc le chômage va être résorbé, c'est déjà en voie. C'est réellement un projet qui est une opportunité d'emploi
de chance pour la région, sinon pour le Mali. Le satisfecit, sinon l'optimisme, est également du côté des différentes équipes de mise en œuvre à travers les zones d'intervention. Il l'est surtout de celui de l'Union européenne. Après 2 ans, on constate qu'il y a un très très fort engouement des jeunes. Il y a visiblement beaucoup de candidatures aux différents programmes que la SNV propose dans le cadre du projet EJOM. Donc ça, c'est un premier succès. On a même pu constater que certains des jeunes qui ont été appuyés ont pu effectivement créer leur entreprise et même engager du personnel. Donc je dirais qu'à ce niveau-là, les résultats espérés ont été acquis. Maintenant, il reste encore du travail à faire, il reste encore des éléments à conforter dans la durée. Donc c'est un projet qui n'est pas fini. Mais pour l'instant, les résultats acquis nous satisfont. Et sont encourageants pour la suite. Et ainsi, beaucoup de jeunes sont passés du statut de demandeur à celui de créateur d'emploi. Il va sans dire que c'est grâce à de tels appuis techniques et financiers qu'il sera possible d'endiguer le chômage, notamment des jeunes dont certains sont tentés par l'immigration irrégulière. EJOM, un véritable univers d'opportunités et bien plus encore. EJOM, merci EJOM.